Maestro vous souhaite la bienvenue. Die junge und begabte la jeune et talentueuse Hélène Grimaud est une singulière pianiste, peut-être l'une des plus fortes personnalités de sa génération. Suivons-la dans son répertoire de prédilection, le grand romantisme, mais aussi aux côtés d'un animal cher à Serge Prokofiev. C'est un milieu ici beaucoup plus favorable à l'introspection que dans n'importe quel autre endroit. Et le fait que les loups soient là, ce ne sont pas seulement les loups eux-mêmes, mais c'est le fait que pour les garder dans des conditions plus que décentes, il faut quand même être assez isolé, essayer d'être le plus loin possible des routes, des gens, des maisons. Et donc c'est un environnement qui pour moi est très... très propice au recueillement. Et quand je me retrouve avec eux dans l'enclos, bon, des parcs où il y a beaucoup d'agitation sociale, de greetings, cérémonies, de toutes ces choses-là. Mais au bout d'un moment, les choses se calment et les loups apprécient la présence sans qu'il y ait forcément d'interaction. De même qu'entre eux, c'est assez rare en tant qu'adultes qu'ils se couchent les uns près des autres, par exemple. Ils ont comme un cercle invisible autour d'eux, la conscience de cette osmose de cette harmonie, de quelque chose qui se passe même sans établir de contact visuel ou quoi que ce soit, mais d'être là, d'être présent parmi eux. Et pour moi, c'est une des meilleures façons de travailler qui soit. Quand je travaille sans instrument, je peux bien sûr passer la musique dans ma tête et penser au changement de conception éventuel d'une œuvre sur laquelle je travaille et de réfléchir au phrasé, de réfléchir à la direction, à la structure. Je peux faire ça partout, je peux faire abstraction de mon environnement pour faire ce travail-là. Mais le moment où ce travail est le plus agréable et avec le moins d'interférences dont je dois faire abstraction, c'est parmi les loups avec eux. Thank you.
vers l'âge de 14 ans, deuxième année au Conservatoire de Paris, je me souviens, je passais énormément de temps chez moi à déchiffrer. J'avais ces cahiers, ces volumes de Brahms, avec les ballades, avec les cahiers de variations. Je passais beaucoup de temps à lire ça. Et une fois que j'avais déchiffré, je rejouais, je jouais des bouts, des bribes. Je ne travaillais pas, je ne faisais que c'était une façon de mariner dans cette atmosphère. Et avec un peu de frustration, puisque ça ne faisait pas partie des choses au programme du Conservatoire de Paris. Ça m'a aussi appris une chose intéressante, qui est qu'au départ, au départ à 14 ans, c'est vrai que j'avais un profil plutôt Chopin, d'après ce qu'on me disait. On me disait non, mais Brahms, il faut quand même un son, il y a une patte sonore, quelque chose de physiquement, ça ne correspond pas. Et puis Chopin, tu fais ça tellement bien, ce serait plus, concentre-toi là-dessus pour l'instant, en tout cas, Brahms plus tard peut-être. Au départ, il y a eu des choses un peu difficiles, mais c'était une chose instinctive. Et j'avais énormément de plaisir, mais je savais aussi que je pouvais faire quelque chose de bien là-dedans. Et c'est vrai que c'était un moment de mon évolution pianistique où j'avais encore besoin de beaucoup de travail dans un certain sens, entre l'âge de 14 et de 16 ans. Et c'est vrai que j'aurais pu me décourager assez vite. Et c'est là, je crois, que la première fois que j'ai pris conscience du fait que si souvent... les gens pensent qu'ils ont fait fausse route quand en fait ils ne sont pas allés assez loin. Et ça, je crois que c'est la pire des choses. Parce que alors, on ne saisit pas. Et plus tard, on peut le regretter pour toujours. Mais en fait, par manque de persévérance, parce que les choses ne se révèlent pas à vous immédiatement, de penser que. Que simplement on n'est pas fait pour ça et qu'on va se diriger. Se diriger vers quelque chose d'autre. Alors qu'en fait, on était fait pour ça, mais c'est un peu la récompense au bout du chemin, et le chemin est long. Et donc, j'ai persévéré, j'ai insisté beaucoup. Et puis, petit à petit, ça s'est trouvé être la chose la plus naturelle qui soit, et il n'y avait plus de doute du tout. Mais je me demande aussi si c'est une question de choix personnel, si c'est moi qui ai fait toute la démarche, ou si c'est une sorte d'appel, ou finalement de visite, sans vouloir... Ça me rappelle une fois une interview de Mitsuko Ofida qui disait qu'elle était la réincarnation de Mozart. Et mon Dieu, le nombre de gens que j'ai entendu réagir et se moquer de ça, alors qu'en fait, moi, je ne me moquerais pas du tout. C'est-à-dire, c'est vrai que ça peut sonner de façon étrange à l'oreille de la plupart des gens. Mais je crois que dans le cas de l'art, de l'inspiration, de la création, c'est vrai que quelquefois, et plus de l'interprétation d'ailleurs que de la création, finalement qu'il faut beaucoup d'humilité, parce que je crois que dans la plupart des cas, c'est plus une question de visite que d'inspiration de génie de la part de celui qui le rend. Thank you.
Il y a des choses que je joue, d'autres que je travaille. Certaines que je joue sans jamais travailler. Et d'autres que je travaille sans jamais jouer. Et d'autres où je fais les deux. Il y avait un de mes professeurs, un de ceux qui a le plus compté pour moi, Pierre Barbizet, qui disait toujours, mais finalement, il faut travailler des musiques, vivre avec des musiques que l'on ne joue pas. Même des compositeurs que l'on ne programme jamais en concert, ne pas totalement se couper d'autres mondes et toujours les garder vivants chez soi, un peu comme un pain quotidien. Et son conseil était toujours que le meilleur pain quotidien qui soit était Bach. Et il m'a répété ça souvent, sans aucun effet. Et puis un jour, je m'y suis mise. Pas de moi-même, parce que c'était dû à ce que j'avais entendu dire si souvent par lui. Mais un jour, il y a eu un déclic qui s'est produit. Quand je pense à Brahms, parce que des fois j'ai cette impression de remous sonore finalement, où il y a toujours des choses des choses qui partent de très très finalement de très bas et qui amènent des éclairages différents, mais vraiment de l'intérieur. Et très souvent, musicalement, ça se traduit par des bass lines encore une fois des middle voices qui ont leur propre finalement leur propre existence et qui tout d'un coup viennent se raccorder à ce qui se passe plus haut et qui peuvent influencer la direction des choses ou la couleur ou l'atmosphère d'une pièce à certains moments donnés. Quand j'étais enfant, j'avais toujours besoin de battre la mesure avec le pied ou de balancer la jambe ou d'avoir un mouvement continuel comme ça et qui agaçait très souvent les gens. J'ai
J'aime les hélicoptères. Et on me disait très souvent, mais enfin, calme-toi, mais calme-toi, c'est très énervant pour les gens qui sont là. Arrête de bouger comme ça sans arrêt. Et moi, si je ne bougeais plus, je me sentais agitée à l'intérieur. Finalement, je ne me sentais moins calme que s'il y avait un membre, quelque chose qui était en mouvement continu. Ce que je voudrais essayer de faire une fois, c'est de le faire sans pédale du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer de clarté dans la texture de cette écriture-là dans le premier mouvement. Il y a beaucoup de choses dans le registre central, et toujours avec une voix supérieure dans les cinquièmes, et beaucoup de... Je vais essayer de faire ça une fois. Dans la pédale, tout se perd. Finalement, au lieu de chanter tous les intervalles, c'est très facile d'arriver à faire un... Et tout d'un coup, on perd le rapport entre chaque note. Et c'est très curieux de voir que quelquefois dans le travail, il y a des choses qui donnent la sensation d'être très peu naturelles jusqu'à ce qu'on ait trouvé finalement le tempo adéquat. Dans mon cas, ce serait de faire... Autre chose qui me dit que ça c'est plus la facilité, la chose qui me viendrait au moment du déchiffrage, ma première impulsion. Mais ce que je souhaiterais vraiment faire, c'est
c'est beaucoup plus... Pour moi, en tout cas, ça, c'est beaucoup plus difficile. Encore une fois, parce que chaque note prend plus d'importance. Et finalement, les choses doivent s'étirer. Et tout d'un coup, on prend conscience de choses qui passent dans l'élan à un tempo plus rapide et qui lentement se désarticulent et donc finalement causent au cerveau des obstacles qui ne sont pas là autrement. Ça devient un monde en soi-même, la première mesure, à un tempo plus lent. Et encore une fois, dans le travail, une des choses qui me donne énormément de plaisir, c'est de prendre chaque note individuellement. Et d'écouter le rapport de l'une à l'autre. Une fois que la basse est posée, le do par rapport à l'octave du la, le mi par rapport à l'octave du la, et le la par rapport à l'octave du la, et ainsi de suite. Comme si c'était... Il y a tout un monde sonore qui se développe, qui passe complètement inaperçu dans le travail uniquement rapide. Et ça, c'est très intéressant, le ré dièse. Avec le la. C'est très, très inquiétant. Ino dit, ce n'est pas bon, ça. Ça, c'est mauvais. Il dit, non, ce n'est pas à mon goût, hein. Oh, down. Stay. Le rubato, c'est le manque d'égalité, puisque rubato, ça veut dire voler. Hein? Et c'est un peu le temps qu'on vole, on le redonne après, puisque c'est toujours un système de plus rapide, du plus lent, sans arrêt. Et si cette sonate était jouée sans rubato aucun, ce serait... C'est difficile à imaginer que ce soit joué comme ça. Ça ne veut pas dire que le rubato donne le sentiment d'expression. Et encore une fois, dans la musique baroque, qu'il n'y a aucun rubato, mais c'est extrêmement expressif parce que tout se passe sur la note. Et encore une fois, rien entre. Et encore une fois, cette sonate jouée, ce passage-là, où la totalité de la sonate jouée sans aucun rubato, avec une égalité parfaite rythmique des doubles croches, c'est presque inconcevable. C'est plein de détente, d'accélération, de détente qui sont quelquefois si minimes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout d'un coup, chaque mesure soit distordue et défigurée. Mais c'est présent. Hein. C'est à une fraction de seconde près, mais c'est toujours là. Moi, j'entends plutôt un son âpre et rauque dès le début. Quelque chose qui palpite sans arrêt. Et pas nécessairement un son rond qui chante, c'est déjà une chose très belle, c'est une base qu'on souhaiterait avoir chaque fois pour chaque œuvre. Mais c'est vrai que la couleur de ce premier mouvement, c'est quand même beaucoup plus inquiétée et tourmentée. Thank you.
I sort of feel like it's like in two bars, all that there's like this big buildup that goes all the way up to the F. I agree. And then this is the answer. Absolutely. You're from bar 23? Bar 23, which that's yeah. That he doesn't know where he's going. Yeah. Finally. Yeah, finally a sense of direction. Exactly, yeah, absolutely. A difficult place because all of a sudden it should be more. I always feel that after the and it should be more. Well, I don't know, isn't it so magical when that theme comes back, isn't it? But I don't know. I never know if that's true. Do you have that word in English? It's phantomatic, phantom. Like a ghostly thing. It's almost as if it comes back. But that's in contradiction with in tempo because we're still slower. It's slower than the beginning. Huh. Do you think it should be like it color changing? Yeah, let's try to do it in the color rather than the tempo. Okay, from our favorite place. Ta 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 ta. That's getting more and more rude, isn't it? Really, I'm having a good time with it. So 55, is that it? Yes. If there's some way we can make more contrast between those, the and the longer, you know. Mm-hmm. Well, and of course, it still should be piano. Oh yeah, that's right. But I always feel this urge to make it huge when we get there. It's one of those things you gotta. That's
fantastic. Yeah. Yeah. All those intervals. So perhaps from do from the recap.
I love this. When I was a kid, I loved playing this. It was like, because you can do it and really slam. I love that. Slam. So happy with the end. You know, I think I have a rest there where I can turn your page. So you can come and do that? Yeah. Like right here. Okay. Yeah, so take your time on. Stay nearby. All right. Same place? Sure. Quand j'étais enfant, j'avais cette obsession avec la symétrie. Je me sentais tranquille à l'intérieur que si les choses autour de moi étaient disposées de façon symétrique, que les choses étaient alignées, de façon que je considérais appropriée. Et il y avait des répercussions physiques également, parce que si quelque chose m'arrivait, je me faisais mal, un genou, à une main, où que ce soit, comme ça arrive aux enfants sans arrêt, j'avais besoin de provoquer la réplique au même endroit, de l'autre côté. Donc à ce moment-là, si je me faisais mal à une main, l'autre main subissait le même sort, mais cette fois-ci de ma propre volonté. Et donc c'était un trait qui était assez prononcé pour inquiéter mon entourage. Et ça s'est prolongé jusqu'à assez tard, l'automutilation physique, ça s'est calmé à peu près au moment où à peu près la deuxième année de mes études au Conservatoire de Paris. Et en tant qu'enfant, j'étais très agitée et la musique m'a beaucoup aidée. Et je me suis souvent demandé, d'autres gens également, ce qui serait advenu de moi si je n'avais pas eu cette soupape de sécurité finalement que représentait la musique. Et plus jeune, à l'école primaire, j'étais... c'était une mixture de choses, mais il y avait beaucoup de moments où j'étais très asociale. Et je n'avais, au moment des récréations, il m'arrivait d'aller me cacher derrière les frigidaires de la cantine, du réfectoire, et d'attendre que la récréation se passe. Il y avait des moments où je ne supportais pas le contact avec les autres enfants. Je les trouvais méchants, cruels, ridicules, stupides. Je n'aimais pas la situation de bouc émissaire que j'observais déjà dans les cours d'école où il faut toujours qu'il y en ait un sur lequel on s'acharne. Me dégoûtait et j'étais vraiment... je me sentais aucune affinité, j'avais l'impression de ne pas appartenir. Je n'étais bien qu'avec des gens plus âgés que moi.
une de mes préférées que je trouve très difficile, c'est la pièce fantomatique de l'opus 116, qui est presque une énigme. En fait, on a l'impression qu'on est presque dans un mauvais cauchemar. C'est un peu trop subtil comme impression d'inquiétude pour être vraiment un cauchemar, mais quelque chose qui serait presque improvisé. On ne sait pas où on va, on est là. Et on pense se diriger vers quelque chose, et puis... Et là, ça, c'est quand tout va bien de nouveau. Très peu de choses, mais il y a tellement de sentiments différents qui se bousculent dans cette pièce en l'espace de 2 pages avec très très finalement très peu de notes. C'est un merveilleux sentiment, quelquefois, l'impression de perdre le contrôle. Et c'est toujours cet équilibre si, si délicat, toujours entre le sentiment de responsabilité d'avoir à tout contrôler, ce qui malgré tout est nécessaire au premier degré, bien sûr, et en même temps le fait que ce soit un obstacle à plus de liberté expressive et à, et,
Et au moment où finalement tout décroche, parce que si on ne décroche pas soi-même, c'est très difficile de d'emporter un auditoire avec soi. Mais c'est très très juste cette impression de, c'est vrai, des tournissements dans la balade des plus, c'est très présent. On sent ça, on est emporté, on perd presque pied. C'est une chose merveilleuse. C'est un des aspects les plus intéressants de l'enregistrement. Où finalement, on se rend compte qu'à partir d'un certain nombre de fois, on ne fait pas mieux, on ne fait que de moins en moins. Et finalement, si tu perds la fraîcheur physique, il n'y a rien que tu puisses faire. Et c'est pour ça que la répétition, j'ai toujours trouvé que c'était une chose qui était négative, en fait. Ou alors, si on répète les choses, essayer de les faire dans une direction totalement différente pour... Parce que finalement, c'est très paralysant, l'image d'avoir à reproduire quelque chose aussi bien que ça a pu l'être au tout début, d'essayer de reproduire, de conserver toutes les choses qui étaient positives et d'améliorer les quelques-unes qui peut-être ne l'étaient pas autant qu'elles auraient dû. Et en fait, il y a toujours une déperdition au fur et à mesure de cet effort.
Et on me dit très souvent, lighten up, don't be so serious. What is there to be so serious about? Et même si je me rends compte de ça en mon fort intérieur, il m'est difficile de me sortir de cette, de cet état d'esprit, de cette humeur, en fait. Bien que j'ai beaucoup de plaisir à l'observer chez les autres, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à pénétrer, finalement. Et parmi les animaux, par exemple chez les loups, l'un d'entre eux, Axel, a toujours été comme ça, autant que je me souvienne, aussi loin que je puisse me souvenir, depuis qu'il avait 4-5 semaines, c'était un animal jeune, même jeune, qui n'avait aucune des caractéristiques du jeune louveteau ou chiot insouciant. Jamais. Il avait toujours l'air préoccupé, il était toujours always worried, looking here, looking there. Et jamais light-hearted. Et heavy-hearted, je préfère de loin. Et ça, c'est absolument, sans aucun doute, une des raisons pour lesquelles j'aime tant vivre avec cette musique brahmsienne. Et je sais que même si d'ici quelques temps je passe à un autre répertoire en concert, ce sera quelque chose qui restera toujours avec moi, toujours un répertoire de prédilection, même si je joue moins à un certain moment. Parce que c'est simplement quelque chose avec lequel j'ai plus d'affinité, qui résonne de façon plus personnelle. Thank you.